Bonjour, bonsoir la famille. Comment nous y est? Bienvenue tout le monde. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour moi avec vous dans l'émission parlant, pour me porter information pour vous aider à comprendre plus bien ce qui a passé dans l'actualité politique là chaque jour puis plus. Jodi an la, il y a quelques bonnes nouvelles que me porter pour nous. Gen formation qui rive joindre moi bonheur matin là, côté que gagne commissaire Xavier Seyid qui lui-même qui c'est commandant et bim nan. Bandi rentré la Kaili hier soir aux environs de 11h pral nan minuit. Gen deux éléments d'information qui ont circulé. Gon premier élément d'information qui fait croire que c'est bandi vite l'homme innocent qui t'a rentré la Kaili. Gen l'autre son de cloche qui fait croire c'est bandi nan base Timakak dans la boule 12 qui t'a rentré la Kaili et commissaire là nan Thomasin. Ça pour nous retenir. Que te bandit Timakak, que te bandit vite l'homme, eh bien, commissaire Seyid pas de printemps pour mettre bagay dans mes bandits. Gen plusieurs vidéos qui vivent joindre moi, m'a regardé l'image, c'est vraiment terrible. Plusieurs jeunes garçons qui couchaient, mon cher, yo passe un mauvais moment pendant yo rentré dans kay commissaire là. Bandit yo rentré dans nuit et yo rentré dans nuit, yo touye chien, yo vini et peut-être avec intention pour yo te touye, avec intention pour yo kidnapper, nous pas connaît, mais à la fin de la journée, gon seul bagaille pour nous retenir, eh bien commissaire Xavier li pat pran tan pour te stopper bandi yo, pour te repousser à sa rien yo. Qui ça ou doit ou même comprendre dans histoire ça? En dépit de toute situation, quand on voit gang a terrorisé population, quand on voit bandi a rentré kaymoun, bandi a touye, bandi a kidnappé, bandi a violé, bandi a fò kouri kite zon ou kouri kite katyo, kouri kite et carité dit 50 10 ans 15 ans 30 ans de vie à bataille après humiliation après déception pour faire eh bien gagne un monde qui gagne tactique gagne militaire qui gagne stratégie gagne policier qui gagne stratégie qui ca repousser qui ca combattre qui ca défendre tête yo je dis en là qui ça nous besoin nous même en dedans la république qui ça nous besoin dans pays pour nous river mettre fin dans carrière gang yo river mettre fin dans carrière bandi yo nous seulement besoin volonté par bon côté autorité yo. Autorité la police autorité la justice parce que deux bagages ça yo marché de peur la police avec la justice c'est contre Figaro yo doyé dans bataille contre insécurité dans bataille contre terrorisme yon là en Haïti mais qui sont ouais tantôt autorité à financer gang tantôt autorité à bandi c'est contre Figaro. Tantôt, influence politique qui gagne, nan mitan autorité, nan mitan opposition politique et différents groupes dans la société civile, là, en pile fois, yon empêche la police fait travail. En pile fois, yon empêche les policiers accomplir mission. Mais comme ça, tout, même dans l'institution de la police, gagne laisser frapper en différents membres dans l'état-major institution. Gagne laisser frapper en différents membres dans CSPN. Gagne laisser frapper entre policiers tout qui corrompu, policiers qui n'ont gang, policiers qui gagne appartenance avec groupe gang, cap terrorisé population. Donc, je vous dis en là, c'est extrêmement important pour gagner vetting qui fait en dedans l'institution, en dedans la justice, en dedans la police. Comme ça, tout. Nous supposons, nous-mêmes qui fait partie de la société, arriver à identifier différents acteurs politiques dans la société civile, l'autorité, l'État, tout, qui ont une relation avec gang, qui ont une relation avec bandit. Parce que la bataille qu'on fait là pour pousser les bandits, pour démanteler les gangs, pour démanteler les bandits, il n'y a pas seulement une bataille autorité, la police avec la justice, ou même qui fait partie de la population, il faut que nous travaillions bras dessus, bras dessus avec la police. Oui. Faut que nous avons un climat de confiance. Si côté que nous avons fait autorité ou confiance. Dans ce moment-là, est-ce que la population fait autorité ou confiance? Non. Pas de confiance entre la population avec autorité. Je vous dis là, on haïtien, si on autorité là, si Ariel vient là, comme m'a dit, il courir, il camper. S'il doit marcher, il courir, parce que bonjour, yo, pas la vérité. Population pa kwè nan parole moun sa automatiquement ou gen moun kap dirijo ki parle pa kwè nan parole li parole moun sa yo pa gen valeur parole moun sa yo pa fè sens parole moun sa yo pa gen poids encore nan balance c'est place moun sa yo pa la c'est place autorité yo ki pa la comme nous wè jounen jodi malgré que nèg yo non capacité pour yo bay résultat faute de compétence faute de volonté yo pa vle répondre avec besoin urgent nou gen la ki c'est sécurité
river rétablir sécurité de leur pays, qui ça nous a fait, tout le monde tourne vers l'international. Tout j'ai braqué sur les États-Unis, tout j'ai braqué sur le Canada, n'attend la main du ciel, n'attend blanc vient résoudre le problème là. Eh bien, hier, il y a Brian Nichols qui était en Haïti. Pendant passage en Haïti, et faut que je dise honnêtement, diplomate ça m'a fait reprendre le temps qu'on pigeon voyageur. C'est retenrété, des fois on annonce la venue en Haïti, des fois c'est en retenrété, li débarqué en Haïti. On dirait que Haïti c'est côté le la passe, le fiscal li, et puis après, il continue route li. Et puis Brian Nichols, pendant passage en Haïti là, li fait yon point de presse, yon conférence de presse, disons, côté que, bien avant, li te rencontré avec différents personnalités, il était allé dans la direction générale de la police, al rencontré avec Mambo état-major la police, li rencontré avec Ariel Henry, premier ministre de facto, li rencontré tout avec Mob ACT au conseil de transition, Mirled Maniga, li rencontré avec Laurent Saint-Cyr, li rencontré avec Pasteur Calix Floridor, côté que y a poser même problème yo. Besoin de sécurité qui ça yo ka fait pour yo contenir dégradation ça qui gagne dans question de sécurité en Haïti, comment yo ka fait pour yo résoudre problème gang nan, problème gang banditisme, trafic d'armes etc., kidnapping nan. Yo l'autre bon, yo parler de retour à l'ordre démocratique, retour à l'ordre constitutionnel. Automatiquement, ou tande a parler de retour à l'ordre démocratique, gon green bagay qui supposé son cloche dans sac, supposé sonner dans tête ou supposé ouais que nèg yo a parler de élection. Mais pour gagner élection, gon climat pour nous gagner, doit gagner sécurité. Parce que moun sa qui qu'on habitué à voter en bas d'Elma, d'Elma 17, d'Elma 31, d'Elma 33, etc., qui a sorti peigné, l'a pas sorti peigné, je ne veux dire, pour le descendre d'Elma, qui est-ce qui a bal autorisation? Combien groupe gang, combien quartier général gang n'a passé pour le river d'Elma 17, pour le river d'Elma 31, pour le river d'Elma 33, pour la voter? Vite l'homme a bal autorisation? Hein? Qui est-ce qui a bal autorisation le river et Pétionville? Qui est-ce qui a bal autorisation le river d'Elma 83, qui vient tout non repère de kidnapping? Y a plevé moun la s'arrêter. Donc je ne jodi un problème yon pile. Problème yon pile malgré que n'a gardé quantité média international k'ap écrit des articles sur Haïti nan moment là. Depuis a parler de Haïti, ou doit Haïti en proie de guerre civile. Haïti et au bord du gouffre etc. Parce que yon senti Jean Bagay la pral dégénérer là, Jean Bagay la parti là, nous mal parti. Nous mal parti puisque même en dehors dans l'état le nous prend dernière note ça que ministère justice sécurité publique mettait dehors dans d'assimos passé à la côté que non seulement yo invité population pour yo prendre zame mais tout c'est comme si yo a fui responsabilité yo gagne pour yo mettre sécurité dedans pays yo a fui responsabilité yo gagne pour garantir liberté circulation chaque grand haïtien pendant que yo même yo pas en mesure pour assumer responsabilité yo. Donc tout bagaille ça li sujet à lever des séries de gros problèmes dans le pays. Li sujet à faire tel pour zam contre tel. Li sujet à faire zam circuler dans le pays en plus parce que tout le monde a besoin de défendre tête et son droit sacré pour défendre tête. La légitime défense ça doit sacré. Mais kounia, est-ce que même moun sa rendu dans l'état explique qui ça légitime défense? Est-ce que d'où dans qui circonstance ou ka défendre tête? Ça extrêmement important et hier, nous t'ai parlé sur ça dans l'émission. Mais je ne jodi an la, malgré autant de diplomates américains qui a vini, Brian Nichols vini, nous gon Erickson Mayer qui l'a dans l'ambassade américaine, nous gagne différents lots émissaires que vous voyez en Haïti, nous sommes gagne émissaire et chef délégation Union Européenne qui vini là, yon pour rencontrer avec différents acteurs, mais pas aucune décision concrète qui prend. États-Unis, jouk nan moment n'a parlé à la, pas jam dit qui sa support concret li a pied pour Haïti. Yon te promet, yon voye drone. Yo te promet équipement de protection individuelle pour policiers, yo policiers t'ap ka gagner et lunettes infrarouges, t'ap ka gagner bon casque pour yo mettre, t'ap ka gagner bon et gilet pare-balles pour yo mettre etc. Mais depuis là yo promet qui ça nous jamais wè? Yo pas jamais rien. Donc faut États-Unis, Canada, faut yo passe, faut yo sorti de la parole pour yo passer aux actes. Vous comprenez? Faut que yo suspend faire mon a perdu temps pendant yo chita y a parlé mon a mouri, y a parlé, y a kidnappé mon, y a parlé, y a violé mon pour yo commencer poser action concrète parce que journée jodi en côté pays en est là, c'est pas seulement haïtien qui mettait là. C'est pas seulement haïtien qui mettait là et c'est pas seulement international qui mettait là. Ça côté pays en est journée jodi, c'est deux parties yo. Et à chaque fois nous tendez
yo abdou l'or yo fin vini en Haïti là l'or yo pralé yo fè conférence de presse ou bien yo ba un petit point de presse et puis yo di comme ça oh et problème haïtien solution haïtienne etc. Faut qu'acteurs remette tête yo ensemble faut qu'acteurs décide ensemble mais à un certain moment faut nous di faut nous ka camper faut nous ka joindre moun ki camper pour di nèg yo que problème qui gen là son problème conjoint lié donc solution faut plus commune on comprend problème nan c'est ensemble yo fabriquer le c'est haïtien avec étranger qui fabriquer et bien journée jodi en solution pas ka mandé c'est seulement haïtien qui pour chercher solution pendant que yo même yo chita y a garder qui ça ka passer non non et nous pas ka continuer comme ça et situation li pas bon comme ça hier dans l'après-midi nous recevons plusieurs SOS qui lançaient et dans zone Mayotte côté que population était vraiment paniquée mon Mayotte Abdou a prélé et lancé SOS pour Yannick qui soit café pour yo est-ce que ka passer message pour yo qui s'écrivait parce que nèg vite l'homme yo décidé pour monter Mayotte pour y terroriser mon yo yo monter Mayotte yo simaye la poublaï bouler machine rentrer caill moun bat moun blesser moun tuer moun etc. Donc à un certain moment on a demandé est-ce que la police a privé contrôler question vite l'homme là est-ce que a privé véritablement atteindre vite l'homme parce que journée aujourd'hui là vite l'homme pas seulement dans peine à opérer vite l'homme pas seulement dans torse là opérer vite l'homme son cas qui extrêmement particulier son cas qui extrêmement complexe. C'est pas question on gang a opéré qu'on est gang dans là li non point A vite l'homme li nan A nan B nan Z li nan Y li tout côté li tout côté en même temps donc faut gon décision faut gen stratégie qui mette en place pour river stopper nèg sa yo pour river atteindre nèg sa yo parce que sinon c'est population qui a continuer payer podcast hein c'est population qui a continuer payer frais. Mes amis, on a un dossier qui est extrêmement complexe. Pays, nous parlons de mal en pire. Nous parlons de mal en pire. Et c'est ça qui fait, moi-même, toujours là pour me chercher des spécialistes qui aident à nous poser des problèmes pour nous garder qui ça nous a joint comme solution. Dans le programme Biden, nan la, Bagaïstan vient censé légaliser la corruption dans le pays. Non seulement la légaliser la corruption, mais l'immoralité en tout la légaliser. Quand il y a pour jeune passeport, passeport, on t'a payé en thème passeport, et puis petit que, 10 000 goud. Journée, jeudi, on fait passeport 14, 15 000 dollars, on fait passeport 100 000 goud. On fait passeport 100 000 goud. Et ou qu'a fin payé 75, 100 000 goud là pour faire passeport, y'a pas qu'à bon passeport parce que nègre là, mando femme. Policier qui te permet ou entrer, poil si y'a un passeport, bien poil déposer passeport là, la mando femme. Rakete qui te prend l'argent dans mon poil fort fait passeport la mande aux femmes. Nèg la mande aux garçons, garçon la mande aux femmes etc. Bagay la vin tellement compliqué. M'pral partager un message avec vous. Ça c'est cri désespoir, humiliation, honte. Comme si nèg yo pensé c'est seulement leur voler l'argent pays yo fait moun mal. Mais l'autre humilion jeune femme. L'autre viole dignité moun nan, l'op atteint dignité moun nan. Qui ça qui pire? Le haïtien a détruit propre haïtien pareil. Qui ça qui pire pour un pays? Le c'est haïtien encore qui ennemi haïtien. Le c'est haïtien encore qui ennemi pays. C'est pas seulement une question aux dirigeants, aux intel à craser qu'est-ce l'état, intel à finir à pays non. Mais gardez tête ou nan glace, camper devant glace pour un petit temps gardez tête ou. Gardez nan ki niveau contribuer nan détu société a tout. Gardez nan ki niveau contribuer nan détu jeune femme ak jeune garçon nan comportement nan parole k ap sot nan bouchou. Tande, m'tal fè passeport et puis y ap met moun deyò. Sa son jeune demoiselle qui partage information sa. Mal caché nan ti coin. Yon vieux nèg tout sale qui a propre toilette yo vin joine moi côté m caché an. Me supplier pour le parler les polices pour le parler les polices pour moi. Ou quand ça le dit si me pas veulent lire les polices en est pas gratis. Li pas besoin l'argent mais gros c'est boudam géril. Mes amis me camper, me fait 5 minutes de l'eau couler dans yeux. Oui, le moins ouais, ça me relé en mouey et puis police yo vini m'expliquer yo ça. Yo fait mal camper dans ligne non. Pas pitié, yo gen pou mwen. Lèm kache ya, sous-tendé. Même policier sa, sous-tendé yo ka fè jolè, combien femme yo couché juste pour yo ka
faire yo cacher dans couloir. Dans la cour, dans la cour. Est-ce que nous entendez? En résumé, l'arrivée dans bureau immigration bien non annexe, tout nèg qui a besoin femme. Tout nèg qui là depuis nos policiers ou bien depuis notre travail, nan moun kap travail en dedans bâtiment, rive nan pi gros chef lan, tout besoin femme. C'est pas seulement un service ou al payer, mais ou al bay service tout. Est-ce que nous wè nan ki niveau corruption rive en dedans pays? Est-ce que nous wè nan ki niveau immoralité rive? Ou wè nan ki niveau haïtien profite? Ça veut dire on programme yon fon programme, programme Biden nan son programme qui gratis. Ou jwenn moun ki fè corruption, ki pran l'argent, ki fò paye, ou jwenn des séries de sponsors ki dou yo aplike pou même invoice, même numéro et application yo pa ka ba ou, yo ap mande un paquet bagay comme si même là haïtien ap chèche détruit propre haïtien pareil pour ki sa pou le fè l'argent. Mais lò fin pran l'argent moun sa ou manje l'argent mal et pou bay moun sa on fò ou balon faux document de voyage al fè moun sa apre kòd aux États-Unis. Comment ap sent ou apre? L'agent sa ap manje a pou pa ta tout non poison nan fiel ou? L'agent sa ou pran nan men moun nan ou di ou bien passé avec la pou pa ta tout non kòk pou koke nan gòj ou pi devant? Jamais. Ou pa fè moun mal, ou pa fè moun abus. Ou ap travay nan institution, l'état paye ou se bay service. Jounen jodi an la, jeune fòm nou yo, fòk polisye abuse yo. Jeune fòm nou yo, fòk moun kap travay an dedans immigration cherche moyen pou abuse yo. Pour ki sa parce que yo vini pour un service que l'état doit yo. C'est pas cadeau l'état fò cadeau passeport payer pour ça. Ou son citoyen haïtien, le fait que ou son citoyen haïtien ou gen droit gen accès pour gen tout document officiel l'état pays d'Haïti doit nous. Mais nèg yo pa wèl comme ça. Jounen jodi an c'est seulement et moun sa au Canada sanctionné, c'est yo même seulement qui pas bon. Moun sa yo États-Unis sanctionné, c'est yo même seulement qui pas bon, c'est yo seulement qui a casé pays, c'est ISO, c'est la pli, c'est l'homme sans vous éviter l'homme seulement qui a casé pays qui gang. Mais l'homme garde comportement, action, ou pas différent de gang sa yo, ou pas différent de ni ISO, ni oligarque corrompu yo, ni politicien magouye yo, ou pas différent de yo. Journée jodien, faut nous apprendre à assumer responsabilité nous. Si nous c'est moun, nous c'est moun, si nous pas moun, nous pas moun. Et Jean Payan pralé là. En tant qu'Haïtien, faut dire ton green bagay. Soit Haïti bon pour nous tous, soit Haïti pas bon pour nous youn. Soit Haïti, si Haïti a tout nou paradis, que l'on paradis pour chaque green Haïtien. Si Haïti a tout nou l'enfer, que l'on l'enfer pour nous tous. Joune jodi an la, nous pas ka admettre que des séries de nèg, des séries de autorités de pays qui pas ka bay résultat, qui pas vle bay résultat, qui pas gen volonté pour bay résultat, pour yon continuer à jouer privilège, yon wè seulement côté juicif l'état, pour yon bien passé, koun yon nèg yon pas seulement gen deuxième résidence, mais yon gen hôtel, yon gen chambre hôtel, yon bien passé dans hôtel là. Non! Non! À un certain moment, faut nous dit non, non, nous pas capable encore. Bon! Jodi an la, dans l'espace libre opinion. Donc on est espace ça c'est pour nous parler, c'est pour nous parler pays, c'est pour nous faire débat, c'est pour nous aller chercher invité yo, c'est pour nous aller chercher acteur yo pour nous faire yo parler, pour nous connaître ça nous penser yo. Eh bien, on a recevoir Maître Edouard Camille Junior, avocat militant et ancien ministre de la Justice et pendant le passé dans tête ministère de la Justice, comment te ouais question insécurité a? Comment te comprendre sécurité, comment te comprendre, comment te gérer ça qui est la sécurité publique. Et journée aujourd'hui par rapport avec mal ça qui a plongé société qui c'est négat zamyo qui c'est kidnapping nan, et manque de volonté acteur yo gen pour résoudre problème nan, qui ça qui mérite fait. Dernier bagay qui extrêmement important nan mitan tout bagay sa yo, c'est communiquer que ministère de la justice et sécurité publique te mette de yo a. On veut des articles 272 et suivants du Code pénal haïtien. Est-ce que légitime défense, est-ce que droit ça que un citoyen haïtien gagne pour le défendre tête lien, est-ce que le permettre que l'État soustrait de obligation de sécurité le gagne pour le protéger pays? La légitime défense peut-elle soustraire l'État de son obligation de sécurité? Avec M. Edouard Camille Junior, nous allons parler et nous allons connaître exactement qui ça va faire. Invitez-nous pour aujourd'hui dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, dans l'espace Libre Opinion, c'est M. Edouard Camille Junior. Et
avocat militant, spécialiste du droit, ancien ministre de la justice, nous pral faire un petit parler avec lui. Et il y a un dossier qui est extrêmement important pour nous parler, surtout dans la date qui était 6 mars passé. Il y a une note que le ministère de la justice te mette dehors. Côté dans un premier temps, li exhorte les policiers pour continuer à assumer et obligation de sécurité au gain vis-à-vis de la population. Mais tout, yo t'a pas soulevé question légitime défense. Et suite avec ça, yon paquet parler qui fait un amitant société civile là. Et est-ce que l'État cherche de responsabiliser yo? Est-ce que c'est guerre civile y a prôné? Est-ce que y a essayé ou bien tenté légitimer port d'armes? Donc, nous pral garder ensemble qui sa bagay là exactement avec les spécialistes du droit qui pral aider nous comprendre. Et m'a dit bonsoir et bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, Maître Edouard Camille Junior. M'espérez nous pral passer un bon moment. Moi salue Yannick, moi salue toute auditrice et tout auditeur émission là. Moi je voulais profiter faire deux bagages. Premièrement, dire que c'est un bon bagage. Hier, c'était journée internationale femme, droit femme, et que me profiter pour te concours moi solidarité Marou et à toute femme à la ronde badè qui suivre émission ça. Et me profiter tout féliciter pour l'initiative ça. Parce que plus femmes engagées, impliquées, n'en poser question, faire des bandes dans la société, c'est plus que nous sommes capables de faire promotion pour équité du genre, pour permettre que femmes avec garçons soient capables de participer, aient le même droit et soient capables de prendre la même qualité d'engagement pour changer face à ce pays et pays, nous, pays d'Haïti. Merci. C'est un plaisir pour moi là, donc à chaque fois que l'occasion est venue, je vais toujours répondre pour m'aider à comprendre brasser l'idée sur ce qu'a brassé le pays. Non. Merci un peu, M. Edouard. Et première question que pour aujourd'hui dans l'émission, et suite avec les problématiques qu'a prolongé la société, la question de sécurité, et l'État... Jodi an lan, c'est comme si responsabilité de sécurité publique gagne pour mettre sécurité en dedans pays an. Pour pile moun l'état a essayé fuir avec obligation yo gagne. Et suite avec note de presse ça que ministère de la justice mette dehors, côté que yo t'a pral soulever principe de légitime défense, côté que si on moun introduit la caillou ou gen droit pour repousser moun nan ou gen droit pour défendre tête. Et en plus dans la société, on dirait que yo pas bien comprendre ça mini justice te vle faire passer et ça te gagne dans intention là. Jodi en question c'est qui ça lié. Légitime défense que législateur li consacré et au terme des articles 272 et suivants dans code pénal haïtien, est-ce que li bay l'état droit pour le soustraire de obligation le gagner pour le mettre sécurité en dedans pays? Bon, son gros tonton question que vous posez, Yannick, mais vous n'avez pas pour nous voulez dire rapidement, in limine litis, c'est que l'homme monde qui a réfléchi à l'État aujourd'hui, il y a des aspects que vous ne devez pas connaître de l'État, côté de sortie et qui voit l'État. Là, moi-même, moi voulais citer pour tout le monde qui attendait, il y a un auteur qui est Thomas Hobbes. J'ai écrit le livre Yatan. En pile auteur, en pile politologue, en pile politiste, il dit que le livre Yatan, c'est l'ancêtre de l'État. Et Thomas Hobbes a insisté sur le fait que gagner ça relève une loi de la jungle, la loi du plus fort. Et risque qui gagne, c'est que le plus fort abuse de sa force et le plus faible. Étant donné que vous êtes frustré, vous organisez et le plus faible tue le plus fort dans son sommeil. Donc, l'état de la jeune, il vient poser un problème d'anéantissement pour tout le monde, il vient une menace pour tout le monde, et pour les faibles et pour les forts. Et c'est peut-être ça que je te dis que vous devez confier une partie de liberté à un monstre froid que est le Léviathan, et qui lui-même a gagné cinq missions.
Et parmi missions, première mission, c'est garantir la sécurité pour tous. Donc, 4 siècles plus tard, je dis à nous en 2023, rôle tout l'État sous la terre, premier rôle, c'est assurer sécurité pour tout le monde. Et sécurité, il y a même théorie qui vient, c'est sécurité intérieure, sécurité extérieure, il y a la police et peut-être même gendarme pour sécurité intérieure. Et vous gagnez l'armée pour garantir la sécurité des zones stratégiques, des sites sensibles, ainsi que la sécurité des frontières. Donc, l'État existait parce que c'est lui qui gagnait capacité pour garantir la sécurité, nous, sécurité bien. Donc, maintenant, lorsque on nous ou dans l'État, ou c'est officiel l'État, on doit dédier et présence ou engagement pour permettre que nous savons que c'est des individus, des citoyens, des professionnels, pour être capables de mener vie paisiblement dans le secteur privé, même dans le secteur public, parce que ils payent taxes, ils payent impôts. Mais bah, toute contribution pour que des gens qui là garantissent la sécurité. Donc, là, un détachement qui est fait entre légitime défense, qui c'est un droit que les parmi les droits humains de première génération, et le devoir de sécurisation des biens, des personnes, que c'est mission sacro-sainte, mission essentielle dans l'État. Et c'est ça qui permet que l'État, les gens qui sont honnêtes, qui sont crédibles, qui sont compétents, qui dirigent, population capable de vaquer avec activité normalement, parce que les connaît que l'autorité qui est en place, l'institution qui est en place, a garanti la sécurité. Donc, pour un bon matin, pour que au niveau de des autorités publiques, au niveau du gouvernement, pour que yo annoncé, pour yo prétexté légitime défense, pour dire que moun ka défend doa yo, pour moi-même c'est yo ka avéré, mais yo ka rien d'aveu, à la fois d'indignité, d'incompétence, d'irresponsabilité. Parce que justement, c'est peut-être pas le moment et c'est pas l'occasion pour appeler la population que le capable et lié droit à la légitime défense. Mais en situation côté que la population aux abois, il n'y a pas fait autorité ou confiance, mais encore plus par rapport aux forces publiques de sécurité, nous constatons un déséquilibre de la puissance de feu, le déséquilibre des forces. Jusqu'à présent, nous avons rentré dans la troisième année, nous que la police poco jeune mené une opération de police qui réussit, qui crasait une nos principaux gangs qui gagnent dans Port-au-Prince. Au contraire, nous avons en mémoire de la déroute de la police nationale à Village de Dieu. Ah oui, et une majorité, malheureusement, gravé dans la pensée nous, et chaque temps nous gardé, nous avons vivre, nous avons couru dans nous pour nous voir que l'État que nous desservit, l'État que nous connaît, que nous connaît que par exemple les moyens, mais si nous avons volonté à zone, nous capables de faire un miracle, et que nous voyons que l'État, malheureusement, en plusieurs opérations, il y a eu des routes, il y a arrêté quelques monde peut-être qui a placé dans la RIA, mais ou pas jeune carrière que vini avec des chefs de gang, des seigneurs de guerre, de gang que vous dit arrêter et que vous faites démantèlement. Et que nous rappelons par le passé, à l'époque de Mario Andrissol, à l'époque d'autres directeurs généraux qui étaient dirigés la police là, et qu'on présentait des chefs de gang et tout récemment, et des chefs de gang que la police nationale, sous l'autorité
de son commandant en chef, Michel-Ange Dion, il était arrêté et tête calée. Il était arrêté, tête calée, il était évadé de prison, la police l'a arrêté encore. La police était habituée à mener des opérations réussies, mais depuis quelque temps, malheureusement, nous constatons que la police, par rapport à la puissance de feu des bandits, lui en déroule malheureusement. Et maintenant, si ça arrivait à des officiels de la police, m'a parlé des cadres, des membres d'unité, qui après pour me parler, t'as gagné même qualité d'âme avec Bandi Sayo, et que Bandi même c'est tout balle ou bien. A connu plus forte raison que pour Moun Sayo qui l'a caillou, qui ça a gagné? Il a gagné 9 mm. C'est âme ça que la police bordeaux pour gagner la caillou et que ou capable de un permis de paix, un permis et pour circuler avec 9 mm. Et pour procédure pour gagner légalisation ZAMSA pour capable porter sous son procédure qui est à la fois longue et qui demande en pile et effort en pile papier investigation pour réussir gagner documents qui autorisent ou circuler à ZAMSA et pas des armes de guerre ou bien des armes de gros calibre c'est autorisé c'est peut-être 9 mm. Donc pour la population, ils n'ont pas gagné accès avec des armes que bandits et même ils ont gagné. Ils prennent un contre-bande, ils vont attaquer Kaimounio. Je pense que c'est un aveu d'impuissance, de responsabilité et de priorité même de monde qui a pris une décision dans tête d'État. Et c'est bien malheureux. Mettez droit, on prend un scénario par exemple, côté que bandit a rentré la caille au monde. Mais moun li gon zam la caille. Par exemple, délai permis li fini, zam nan vini automatiquement illégal. Mais avec zam sa ki déjà illégal la caille, li repousser bandi ou bien stopper bandi. Est-ce que koun y a gen moyen là, la police débarque, est-ce que gen moyen pour yo arrêter moun sa ki défend tête li malgré que zam nan li illégal, li vini illégal nan mel parce que délai permis li fini l'expirer. Bon, là vous posez Yannick on l'autre gros question, mais qui baille le problème? C'est ça qui fait que diriger l'État, c'est pas un bagaille qu'on capable ou envie de diriger ou bien ou aller diriger l'État. Et on tout un système de formation, d'expérience, d'expertise qui vous permet de diriger. C'est ça qui fait que nous voyons que depuis quelque temps, décision prend en amateur dans la tête l'État, décision pas prendre en fonction de compétences avérées, en fonction d'expérience, d'expertise. Parce que bon, si pour permettre que la population soit capable de défendre la tête l'État, dans le périmètre, nous capables de dire de la CAENI, de nos domiciles. Premier bagage pour faire, on veut que ou ta rap les populations ça et dix populations qui a défendu li, faut vous faire des bagages. Premier bagage là, faut regarder l'état de la situation en matière législative et réglementaire. Est-ce que vous avez allégé conditionnalité pour moun qui a accès à ZAM pour être capable de moyens pour défendre tête yo? Ça c'est premier bagage là. Permettre. Est-ce que même système qui gagne, même exigence que vous faites dans le DCPJ pour capable d'avoir accès avec ZAM et qui calibre en plus et pour permettre qu'on capable de légaliser comment qu'à étendre de durée de validité de permis de port, de permis de port d'armes par exemple. Et ça, c'est arsenal législatif et réglementaire là que l'autorité doit regarder. Parce que c'est une procédure que nous connaissons qui est longue et qui demande un certain nombre de documents qui est capable difficile pour nous joindre. Faut bien matricule, faut que bonne bagaille, bonne pièce pour faire prêt. Bonne bagaille qui demande pour capable arriver à l'égalité de port d'armes qu'on gagne. Ça, c'est le premier aspect question, hein, que nous voyons que
amateur ça yo k'ap prendre décision yo pas réfléchi à ça yo pas prendre en compte à gravité question mais deuxième aspect là c'est que on fait pays à faire bac sous question loi de la jungle parce que c'est vrai que la population gay doit défendre des prix mais il y a deux éléments qui sont importants dans la légitime défense c'est la spontanéité de l'attaque et la proportionnalité de l'attaque. Tout à fait. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de légitime défense, c'est une situation de risque absolu de perte danger de sa imminent. Vie de soi-même et d'autrui, et que par rapport à risque, par rapport à menace, on répond spontanément et dans le même degré de attaque que tu subis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons plus chance basculer dans vengeance, nous avons plus chance basculer dans la guerre civile, que nous rentrons dans le cadre de ou bien règlement de compte, que nous rentrons dans le cadre de légitime défense. Parce que justement, et si tout le monde dit que c'est rentré entre la caillou et qu'il y a fait légitime défense, quelle va être l'autorité judiciaire ou policière qui pourra le fixer véracité des faits, qui pourra capable relater les faits, et puis qui capable conclure avec un véritable rapport que nous sommes en présence de cas avérés de légitime défense. Donc, il y a deux problèmes fondamentaux qui posaient avec ça que nous voulons que nous prenons comme décision et qui montrait que effectivement, pour la pataka arrive, côté arrivé là, ce n'est pas seulement bandit qui a terrorisé la population, mais même qui a pris une décision, qui probablement pas de compétences et expertise pour ça, le concouru, le complice de gravité situation exceptionnelle que nous vivons dans le pays d'Haïti. En tant qu'ancien ministre de la Justice en 2016-2017, et M. Edouard, sous gouvernance par là, pendant que tu es dans tête ministère là, et l'administration, si je ne me trompe pas, privée là, et pays n'est pas comme ça, insécurité n'est pas comme ça. Ok? Niveau bandit a opéré, façon bandit a occupé territoire dans le pays, une situation n'est pas comme ça. Et en si peu de temps, nous avons une insécurité dégénérée, en si peu de temps, nous avons une détérioration dans ce qui est pour avec sécurité publique. International, la résolution votée en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies et gagné des sanctions qui prend contre différentes personnalités que international là estimé qui ont même à financer gang, qui ont même gagné et proximité, des relations avec bandits. Et ou même par rapport avec étude ou fait de situation sécuritaire en dedans pays. Jodi là, qui ça qui t'a doit faire selon ou même et vis-à-vis de l'autorité, ça, vis-à-vis de différentes catégories, moun, nous avons cité dans la question financer gang, financer bandit, qui ça qui t'a supposé faire, qui sanction, qui mesure qui t'a supposé prendre contre moun sa yo? Bon, d'abord, moi, je veux humblement remercier. Remercier parce que, généralement, dans le pays d'Haïti, nous plus entraînés pour nous dire bagay mal, pour nous dire laisse ça pas bon. Nous pour nous dire moun qui gagne responsabilité tout dans ça qui pas bon et c'est un exercice que nous exceller la donne pour nous dire ça pas bon mais à l'inverse laisse ça t'es bon mais t'es comme des décisions que tu prends lorsque t'es un résultat qui te baille y'a pas toujours salué ça l'erreur pourrait que gagner des journalistes des directrice, des directeurs d'opinion qui dit mais là, ça t'est bon. Nous te rappelons que en début de 2016, t'es un processus électoral qui était difficile. T'as eu reporté l'élection sinédiée et t'es un peu de violence qui t'a fait de part et d'autre sur tout étendue territoire là. T'es eu un pile difficulté pour accéder dans les villes que
tant qu'on encaillé, tant qu'on cabaret, pour nous arriver, t'as un problème sur Tibonite. Effectivement, t'as un kidnapping tout, qui t'a pour une vitesse de croisière. Et c'est dans ces circonstances ça a été un gouvernement de transition que moi j'ai gagné honneur et privilège de participer comme ministre de Justice et Sécurité publique. Et nous avons gagné des engagements très clairs et très fermes que nous prenons. Et le premier engagement, c'est permettre que le pays n'a pas sombré, que le processus électoral a redémarré et que l'arrivée à bon port, que les trois pouvoirs et jouent ont lieu. Et garantir la continuité de l'État et assurer que l'insécurité à que nous combattons et que nous permettons que l'insécurité, éviter que gagner des zones de non-droit et permettre que le pays n'a pas sombré dans la liste noire que Gafi de menacer nous à l'époque. Et nous te prenons courage noir demain avec l'autre autorité qui est là. Moi-même, moi j'étais témoin avec collègue mon ministre Annick Joseph. Nous avons le président CSPN, le professeur Inès Jean-Charles. Nous avons le président républicain, le président Jocelyne Privert. Nous avons tous les acteurs qui sont là et ensemble. Nous avons accord établi quatre de référence. Nous. Et nous sommes satisfaits quitter le pays là, et en mars 2017 avec des autorités qui étaient là. Qui pape intérimaire, et un directeur général de la police qui était ratifié, l'ensemble des conseils d'administration de la BRH, de la BNC, nous était ratifié, parlement était complété, était gagné, le président élu, et pendant plusieurs mois, nous était arrivé dans le pays à établir zéro kidnapping. Et rapport CRO, dans la police nationale, pendant l'année 2016 et 2017, le cas est établi. Il y a eu des cas que, parce que l'insécurité arrivait tout côté sous la tête, mais le pays a été dirigé et il y a des gens qui ont pris responsabilité. Maintenant, nous constatons que, six ans, sept ans plus tard, mes côtés de aujourd'hui, et pas une autorité légitime dans la tête d'État. Nous réfléchissons à ça, nous souffrons avec ça, nous souffrons, constater ça. Et nous faisons ensemble des propositions comment tout pays a ta redressé. Et ensemble des propositions, ça y est, de trois parties là-dedans. Première partie, c'est au niveau de gouvernance pays d'Haïti. Il est clair que aujourd'hui, le premier ministre dans ce pays, c'est lui qui est à la fois chef de l'État, chef de gouvernement, nouvel juge, prêté serment et d'allégeance devant eux. Donc, c'est lui-même qui a dirigé le gouvernement avec un pile ministre qui a plusieurs chapeaux. Et nous voyons qu'au bout de 20, de 19 à 20 mois, situation pays a empiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel problème de gouvernance, le réel problème de crédibilité et de compétence au niveau de la gouvernance de l'État haïtien. Donc, il est clair et avéré, tout côté sur la terre, laisse arriver, il a changé mieux. Autorité vient devant le peuple, il a présenté des missions et dit au terme de X, de Y, de Z mois ou d'années. De gouvernance, nous tirer conclusion que nous échouons ou bien nous pas, nous voulons répondre à l'engagement que nous prenons, nous retirer de compte. Nous devons avoir un changement au niveau de la gouvernance de ce pays. Maintenant, c'est des efforts et des sacrifices qui nous font, mais nous clair faut le faire. Nous clair et certain que le pays a, même si il y a des gens qui prennent par Biden, même si il y a l'autre monde qui fait retrait, mais il y a une femme avec garçon qui a une compétence, qui a une expérience, qui a une crédibilité et qui a un résultat déjà. On a parlé de l'ancien directeur général de la police, pour nous parler ancien premier ministre, des gens qui ont un résultat durant ces
c'est de nombreuses années, et qui est capable de et qui est capable de qui est capable de faire sacrifice pour venir, pour bailler le coup de main. Bien de changement de gouvernance. Mais bien de changement de méthode de gouvernance aussi. Qui ça nous constate? Chaque bon problème, je dis, c'est la réunie à l'extraordinaire. Le logiciel, ça va marcher encore. Nous vivons dans une situation extrêmement grave qui demandait un changement de méthode de gouvernance. C'est-à-dire que nous rappelons dans l'autre cas, dans l'autre pays, côté que et chef de l'État et chef de gouvernement est obligé de grands moyens, de grandes décisions, de décréter état d'urgence, état de siège, de prendre des mesures exceptionnelles. Ça, rentrer dans des trains de mesures qui doivent prendre pour permettre. Parce que l'État, lui, a fonctionné, même s'il a dit que les résultats dans la douane et dans la DGI, il n'a pas de sécurité. Depuis le compte qui a fait le patio. Et sécurité arrivée dans le moment côté que c'est gagné qui a décidé. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons arrêté pour nous prendre une décision, arrêter de changer nos corps. Ce n'est pas ça seulement qui a besoin. Nous avons un plan de gouvernance exceptionnelle, stratégique et sécuritaire qui peut impliquer un plan de mesures pour permettre que le territoire que l'État a de contrôle pour lui assiéger, lui permettre que le mec nous contrôle. Lui. Et territoire que l'État a de contrôle pour lui mettre un plan sous pied pour que l'État reprenne autorité et contrôle du territoire. Ça arrive déjà dans certains pays. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, et que l'expérience là, il doit inspirer ce de forme de gouvernance là. Ça arrivait tout en Colombie, ça arrivait en Salvador, ça arrivait au Mexique. Donc, il y a une stratégie qu'il a en termes de gouvernance. Mettez droit. Je vais finir sous terre, parce que je me dis que trois bagailles. Je vais gagner le plan pour faire une régénérie de la sécurité nationale. Demander pour que l'État fasse une mobilisation générale des forces vives et de la population et à la majorité. Ça permet que nous sommes capables de gagner des forces humaines, des mounes, jeunes femmes, jeunes garçons à partir de 18 ans, qui plaît, qui pour recevoir entraînement, qui pour permettre que vous capable et disponible, disposé pour venir concourir et supporter force qu'il a déjà et puis capable d'intégrer au besoin les forces armées d'Haïti ainsi que les forces de police. Nous devons également utiliser le protocole de la réquisition forcée pour que la police avec l'armée gagne des espaces stratégiques, des espaces over-cover que vous avez et des espaces under-cover que vous pas pouvoir reconnaître pour permettre que la police capable de gagner capacité pleine pour capable et agir et en enseignement et en intervention et en répression. Et le troisième bagarre là, il doit gagner un renforcement et vraiment en full package de capacité logistique de la police. C'est-à-dire que t'as doué en cinquantaine de blindés à raison de répartition, t'as doué gagner le renforcement de packs de drones pour nous capables de gagner cinquantaine ou centaine de drones stratégiques, t'as doué gagner renforcement de capacité balistique de la police. C'est-à-dire que pour que la puissance de feu de la police soit capable et largement supérieure de la puissance de feu des bandits et permettre que la police les investisse en espace d'opération équitable uniquement lorsque l'ordre de l'autorité est établi et permettre que d'autres structures dans l'État continuent à faire travail de maintenance et de contingence. Bon. Voilà à propos.
pour nous parler quelques idées que nous partageons déjà et qui sont capables de faire objet d'implémentation. Et nous-mêmes, humblement, nous avons la place dans ces fuses, nous avons l'idée, nous-mêmes, l'intégrité gouvernance, nous travaillons un peu sous prévention pour éviter que. Pas gagner des zones de l'endroit. Nous faisons plus d'enseignement. Nous faisons plus d'interventions préventives pour permettre que pas gagner des gens qui réclament et ouvertement le contrôle des territoires. Et zones qui étaient dans un pile problème. C'était deux côtés. L'un était là, la gouvernance, c'était en Caire et c'était au Caire. Que même des attaques qui étaient faites sur la prison civile de Caï et sur le commissariat. Nous avons rétabli l'ordre et nous avons restauré l'autorité de l'État. Et en Caï, même genre, nous avons permis que l'État, lorsque tu as des élus qui étaient venus et que nous-mêmes nous avons fini mission, nous avons quitté un État qui était en ordre de combat, un État qui était capable de faire service. Malheureusement, pas de continuité. Et puis, nous gagnons le résultat que nous gagnons aujourd'hui. Maître Edouard, nous avons gagné une pile de questions là et je vais pour me retourner sur le dossier international là parce que au pas rentré là dans l'île, je pose des questions, on pas rentré sur le dossier sanction. Mais bon, on va être extrêmement important aujourd'hui. Et nous avons gagné pour avec bataille préventive ou t'as fait pour arriver contre les gangs, pour empêcher que nous devions avec, nous devions aboutir avec niveau insécurité que nous gagnons là. Ou dit que des gens qui t'est passé et notre pouvoir qui au même été bas résultat. Et OK, tu as des actions préventives qui t'a fait. Pour qui ça je ne jodiya nous pas senti continuité en résultat ça pas ca perdurer. Qui ça qui empêcher selon ou même des consolidation qui fait dans l'état dans différents domaines, dans différents secteurs d'activité qui a fait en dehors du gouvernement. Bon, déjà, n'a pas quitté nous-mêmes comme monde qui a informé monde pour faire des investigations qu'on est. Parce que bah, ce que nous faisons là, c'est qu'on fait qui fait. Ou qu'on a envie fait, ou qu'on veut faire. Mais il faut apprendre pour faire. Bien, ça est dans le cadre de formation pour tout le monde qui place pour diriger dans tout pays sous la terre. Nous avons une formation en politique publique, une politique publique de sécurité, de pleine sécurité, et qui est capable d'établir, ajuster au gré de la réalité et au gré des besoins, au gré des forces en présence. Donc, si tu as des résultats, c'est parce que tu as des compétences derrière. Nous pas besoin nous pas besoin de perdre, on dit, et chaque des résultats, c'est pas toute baguette magique que vous avez, c'est de mettre les compétences derrière. Donc, c'est la population pour juger. Deuxième bagarre que vous avez dit, c'est que fait que à qui ça n'a pas maintenu. Nous te suivons très bien. Aussitôt que le journal est monté, pour le problème du journal de rien, c'est avec le directeur général d'alors là. On a parlé de Michel Angédéon. Nous pouvons constater. Il a sapé l'autorité, il a sapé le leadership, il fait le discours, il dit, il écrit, il a le parlement, il dit, il fait le discours, il dit que lui-même, c'est la petite voyou qui te regarde, qui a un problème. C'est pas ça qui a un véritable problème, même si il a un problème vrai. Il te dit que le véritable problème, c'est le monde qui a vacu. C'est le monde qui. Qui a l'immunité, c'est le monde qui est touchable dans l'autre secteur, c'est le véritable problème. Non. Parce que c'est eux qui gagne influence, c'est eux qui gagne contrôle douane, qui gagne contrôle port, c'est eux qui ont le véritable problème. Non. Et là, il te dit ça, qui décision te prend, qui ça te fait au contraire. Depuis que le directeur général ça, pas directeur général encore, eh bien, direction générale de la police, t'as vu une chaise musicale. Et que nous passons nous sommes le troisième directeur général à une tête la police. Et le fait qu'on gagne une gouvernance intérimaire, eh bien, lui gagne pour vocation fragiliser l'autorité de tête la police là. Ça, c'est la première conséquence
qui gagne lorsque vous avez mauvaise gouvernance et lui frapper force de police comme dit là. Parce que qui s'est passé? Déjà, la gouvernance de la police, quand même, lorsque le directeur général qui l'a, s'est arrêté, qui n'est pas là, il a des mandats, et bien à tout moment, et on a joué des cadres de notre état-major, hein, ambition et folie chef, folie commandant chef qui doit prendre, et que synergie que le directeur général là, qui c'est commandant chef, là, lui a besoin pour l'établir une politique de sécurité, pour l'établir un plan de sécurité, il n'y a pas besoin ni. Lui ne doit pas joindre assez de support. Et à ce moment-là, on est capable que le plan d'intervention de la police, dans le plan d'opération, où il ne peut pas gagner toute soumission ça à l'autorité du commandant-chef, nos décisions qui prennent. Là, on prend un exemple parmi plus jeunes qu'après, pour montrer que nous sommes menés du côté de aujourd'hui. Deuxième bagage. Ça mène du côté de aujourd'hui, c'est lutte pour pouvoir. Lutte pour pouvoir, il fait que moi-même état des bandits, des gangs, malheureusement, moi-même me fait que je dis ça rapport. Ça rapport et droits humains bail, et ça rapport international établi. Et sans qu'on ne cite nous ni faire personnalité, il y a un nombre officiel, un exécutif et un législatif qui ont cité dans le tête abondi. Donc, ce qui veut dire que c'est une impunité aggravée. Mais impunité aggravée, ça, c'est seulement le monde qui met l'État, le monde qui met l'opposition, tout malheureusement, à l'époque, nous cité. Comme nous qui gagnons, gagnons ta travail, l'entendre, je ne vais pas citer nos bandits. C'est pas politique, pas, c'est pas moral, pas. Mais les bandits, même j'avais Yannick, nous qu'on attendait. Ils ont dit, je suis à un tel. Ah, tout ça. Ils ont parlé à un tel. Et, bien, c'est le premier ministre qui dit, oui, bandit, qu'on relève, téléphone ni pour lui, ni parler avec nous, ni voulait, nous ne pas capable de faire la loi. Mais ben, là, il y a un degré d'indécence. C'est normal, je dis, lui-même, il est plus grave que l'autorité, d'ailleurs, lui-même, il n'est pas bien caché le but. C'est-à-dire que c'est bon, il y a un degré d'indécence. Il y a une tendance à penser que ça le dit à ça. Oui. Qui est-ce qui t'a venu le démenti que lui n'a pas la bandivré? Pourquoi ça, bandit, il n'a pas dit le talayani? Même si vous parlez à un tel. Bon, moi-même, je ne connais pas si c'est vrai, si faux. Peut-être enquête capable d'établir ça. Mais c'est un sénateur de la République qui t'a dit qu'il mène une enquête, il a établi un rapport. Peut-être un sénateur qui était en fonction, qui t'a pas la bandit de téléphone. Donc, tout ça, ça nous dit là, je dis, en 2023. Le 9 mars 2023, ça nous dit aujourd'hui, hein, c'est le résultat toute impunité, toute criminalité organisée, toute intelligence criminelle qui met en place et qui devient support autorité dans l'État, y compris des mouns qui jadis te disent que tu es dans l'opposition. Donc, en résumé, c'est incompétence, collusion, relation, bandit, autorité et influence politique qui mène le pays là. Donc, nous avons un peu de travail pour nous faire pour nous sortir là, si nous bien comprendre, mettez doigts. Et dernièrement, moi, j'ai reçu dans l'émission colonel, ancien colonel Imre Rebu, qui t'a parlé, qui lui-même approché sous problème de sécurité. Il t'a fait connaître que c'est vrai, la police a bouqué des matériels, la police a bouqué des équipements, mais ça pas suffit pour résoudre problème de sécurité, pour résoudre problème de banditisme. Ou même qui approche, est-ce que parce qu'on parle de faut que l'État ait des capacités techniques, faut qu'il vienne avec blindé, faut qu'il vienne avec drone, faut qu'il gagne faut gagner nouveau jeune fille jeune garçon préparé qui pourra le supporter qui pourra aller en renfort avec les forces qui en présence yo quoi que avec seulement matériel je ne jodi en là ça suffit pour résoudre problème de sécurité pour la police l'armée d'Haïti pour yo ta dit yo pral mettre pied à terre pour yo porter une solution avec problème insécurité qui gen là bon
En tout cas, peut-être que je me suis mal exprimé, je me suis dit ça, oui. Et très peu de mesures et organisationnelles, ça, ont fini en aval, mais en amont. Attendez, même si même si vous mettez deux blocs, nous qui vont être sales, comment faire caca à ton que gloire les propres? Principe. Premier bagage pour faire, c'est soit ou vider de l'eau sale là, ou laver qui vêt là, ou bien ou vider dans l'autre qui vêt. Ou vider dans l'autre qui vêt, qui propre, et puis mettre de l'eau propre là-dedans. L'instant, la vraie propre. Et puis c'est même genre, même si vous avez 50 000 jeunes femmes, jeunes garçons, ou mettez dans la police, dans l'armée, dans les armes entraînées. Mais si. Mais ingénierie, il n'y a pas de changement de stratégie et de méthode, c'est la même si à terre. Mais si même bandit, jadis ça, qui mène le pays ça, côté lié là, c'est même même encore qui n'a peut-être l'État qui a pris décision. Mais c'est normal qu'on n'a pas de résultat. C'est qu'on veut. C'est des petits pays au monde. Pour on parle que du premier ministre qui démissionnait en Irlande. En plus de notre pays et en Europe, par exemple, tu as un premier ministre, une dame en Angleterre, lui a fait campagne, lui a dit qu'il va résoudre le problème en Angleterre, Grande-Bretagne et autres. Au bout de 2-3 mois, lui a rendu compte que lui a fait des promesses au-dessus de capacité, au-dessus de moyens. Il a fait des missions. Et au terme de. Au terme de démission ça, effectivement, il y a une élection qui fait au niveau du Parlement de la Grande-Bretagne, du Parlement anglais, et puis Rishi Sunak, qui était ministre de l'économie et des finances, un jeune garçon 42 ans, lui vient monter premier ministre de l'une des plus grandes puissances économiques et militaires du monde. Donc, ce qui veut dire que lorsque, mais Ariel Dadi fait voilà, est-ce que c'est seul Ariel qui gagne, qui est capable de gouverner le pays? Non! On ne pas dit que c'est moins pour lui, on ne pas dit que c'est un lot pour lui, mais doit gagner un changement de leadership dans le pays. Hein, parce que le leadership qui gagne là, non seulement il n'a pas de résultat, nous constatons que la va grave et gagner aux populations qui ont souffert, qui n'ont pas fait autorité, qui a eu confiance. D'ailleurs, ce deal-là, il y a un note qui sortit au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui établit que nous avons droit à légitime défense. Évidemment, note ça, en plus que le ridicule, l'inutile, mais le plus mentalement préparer la population. Hein, à la vengeance privée, et à la guerre civile, au règlement de compte, pour lui préparer, pour lui capable et rétablir sécurité. Pour ça, le ministère de la Justice pas plutôt réquisitionner des espaces pour faire des camps d'entraînement pour permettre que maman, petit, papa, petit, jeune femme, jeune garçon, il n'a pas tiré. Parce que si bon du vin à la Galine, mais on va qui soit pas répondre. Vous avez répondu à la recherche. Parce que c'est disproportionnel. Donc, pas de proportionnalité. Donc, ce qui veut dire que, il y a un problème avéré à la fois de compétences, de négligence, même parce que il faut à un certain moment tirer la conclusion de l'incompétence, mais aussi le but avec gouvernance comme il y a là. Et n'a fonctionné comme si le pays a son pays normal et que nous avons une gouvernance normale. Parce que là, c'est une méchanceté quelque part que de maintenir le pays dans un état que lié là, alors que gagner quand même à la fois volonté, mais gagner engagement qui apprend. Donc, j'espère charger le monde qui compte dans la demi. Chargé de monde qui est dans l'armée,
aux États-Unis, au Canada, dans le pays, chargé moun qui est dans la question de sécurité, la question de justice, la question de droits humains, chargé moun qui est capable d'aider le pays d'origine. Et puis, il y a des Haïtiens de sang, il y a des Haïtiens de cœur. Même si nous devons dire, nous ne pouvons pas mettre étrangers dans des postes de responsabilité, des postes de souveraineté, des postes sensibles, mais il y a des étrangers qui sont capables de vouloir des pays, qui sont capables d'engager, pour que ça ne soit pas fait appel à nous. Nous pensons que c'est méchanceté, ça, que même si ou pas de résultat, nous voulons quand même rester à diriger. Diriger qui ça? Dis-je qui ça? Chaque jour, nous avons mouru dans notre territoire. Il y a tout le monde, il y a tout le cadavre. Et bien, il a fait exode en deux populations. Qui fiait-il pour gagner, pour dire qu'on est directeur général? Qui fiait-il pour honorabilité, pour dire qu'on est ministre, ou c'est premier ministre? Alors que chaque jour, petite population a mouru, professeur a pris un balle dans les fait coup, et élève paniqué. L'école a fermé. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En Haïti, pas gagné, pas vrai. Si il y a deux bagailles, moi, qui pas gagné, c'est culture réduction de côté-là, avec culture de démission par rapport côté autorité. On a peur ça, il y a dirigé, mais il y a peur. Il n'y a pas de se coller avec bagaille ça. Yo. Avant dernière question, avant nous finir, mettez doigts, est-ce que. Actuel gouvernement n'a pas cherché, n'a pas consulté pour chercher expertise ou pour connaître et ça t'a bien marché comme ça qui formule ou t'es utilisé pendant que t'es ministère de la justice, pendant que t'as dirigé pays, hein? Y'a pas fait ça? Bon, écoute, je ne veux pas mettre caméra ou bien curseur là. Sous moi, on nous prend, il me l'a rebut, colonel, qui est expérience dans l'armée, et dernier responsabilité. Que l'on était dans l'État haïtien, ministre d'État, chef de parti politique. Dernière fonction que l'on était, c'était secrétaire d'État à la sécurité publique. À la sécurité publique, dans le gouvernement de transition, et que, ensemble, c'était une validation de plan de sécurité. Mais, c'est toute la cette journée, et il m'a parlé dans la radio. Pour qu'il s'en va attendre. Il y a l'autre monde qui écrit, qui fait émission, pour ça va attendre. Donc, je ne pense pas que c'est forcément moi-même, non. Je pense que là, il y a un monde qui me fonctionne, il y a des privilèges, il y a des gaz l'État, machine l'État, il y a des frères, il y a des perdiennes, il y a des chèques l'État. Et puis, il y a plein de décisions. Il n'y a pas forcément conscient que quand on a fait émission ça là, des gens qui ont boulé belé, des gens qui ont tiré sur le mur, il n'y a pas forcément conscient que, ou du moins, il n'y a pas cœur de ça. Ce rock-là, il a profité. Et reddition de compte-là, nous n'avons pas habitué avec ça tout, c'est malheureux. Mais c'est ça la divise. Et je pense que solidarité internationale. Et n'a dit à acteur qui est très présent et qui a pris la parole, qui dit que c'est le représentant des pays amis, vous t'adoué, si vous voulez aider la population vraiment, vous t'adoué prendre conscience que derrière des hommes, derrière des femmes, des gens qui sont dans le pays qui prononcent, vous t'adoué tomber et tout, au lieu de faire un complice. De monde qui l'a et qui a enforcé misère et douleur peuple là. L'État doit faire plus d'efforts pour entendre plus monde dans différents niveaux et dans différents secteurs de société là, qui vient bouquer avec gouvernance pays ça depuis de nombreux mois qui non seulement va bailler résultat, qui fait que aggraver la situation davantage. Et je pense que vous avez fait œuvre utile si vous attendez cri au lieu que vous rentrez dans appui aveugle à monde qui a pris décision dans tête l'État.
Mais ça, j'avais dit ça, le dire, monsieur le ministre. Et bon, dernière question. Qui dernière action peuple a supposé faire là, puisque l'État a abandonné yo? Et l'État a pas assumé responsabilité pour garantir sécurité, pour garantir liberté de circulation. Qui ça peuple a doit faire dans cas ça? Bon, moi-même, c'est un monde qui levé dans la question la foi. Moi, quoi dans la prière, moi, quoi dans puissance, mon Dieu. Donc, ça, c'est un bagage personnel. Supposez une question qui ça pour nous faire. Moi-même, je pense que dans la situation que nous sommes là, c'est peut-être nous qui avons la foi toujours pour prier pour mon Dieu. Parce que ça arrive déjà dans des pays comme des pays scandinaves dit, qui te fait face à des situations, tu es un pile jeune, un pile la prière. Mais l'image est tout à Sam Capabrele, il y a un engagement citoyen. Il y a un engagement citoyen. Et qui forme que le caprin, moi-même, je ne peux pas dire qui forme que le caprin, parce que même si je ne peux pas dire population défend tête, quand vous avez besoin de zam pour défendre tête, il y a un contre-bonne. Et le pays a gagné un bagage de zam, et puis comment pour un monde sous balance pour contre-bonne, pour gagner accès avec zam de gros calibre pour mettre la carrière pour défendre tête. Donc, moi, nécessairement, pas de grand chose comme qu'a dit la population. Hein. C'est primer, c'est prendre disposition, jeune capable, et puis organiser pour avoir une réponse à la fois bandits qui n'ont ghetto, qui n'ont zone de l'endroit, hein, mais surtout autorités qui ont un comportement bandit dans tête d'État à cause de négligence criminelle. Yo, qui pour continuer à maintenir la population dans sa lieu-là, dans la situation grave que la plus journée je dis. Mais sinon, je ne pas de grand chose que je peux suggérer. Après ça, je dis là, il faut un changement de gouvernance, un changement de méthodologie. Il faut de nouveaux plans de sécurité avec protocole exceptionnel de sécurité et de stratégie. Et puis, mobilisation tout azimut des hommes et des femmes. Et mobilisation citoyenne permettre que la police et l'armée en condition de. C'est de la gare qui le fait, mais on pas capable de faire avec Mounsaïe qui déjà montré limite. Et la gouvernance paye ça, malheureusement. Donc, et pour faire court, ça compte prier, ça compte jeter de l'eau, ça compte laguer pied, et ça compte engager tout, engager nous dans la bataille pour nous changer pays nous. Et invitez-nous aujourd'hui dans l'émission, mon éditorial avec Yannick, c'est Maître Camille Edouard Junior, et ancien ministre de la Justice et avocat militant, qui lui-même li croit que li gen mo pale pou di nan sa k ap traverse pays a comme problème insécurité et ga ente rive gade ensemble qui ça réellement légitime défense yé. C'est un plaisir pour me te recevoir mettre doigt dans l'émission, m'espérer a bien l'autre occasion pour nous continuer parler et rive de moun yo comprendre nan pi bien yon ensemble de décisions que autorité yo a prend. Merci pour disponibilité ou, et déjà m'a dou un grand merci. Merci Annie, merci pour l'initiative là, encore une fois, compliment. Et c'est toujours un plaisir pour moi, bah, tigrin sel pam nan, nan essayer de faire bouger les choses et permettre que gagne des lendemains meilleurs pour le peuple haïtien. Merci en pile. Merci à vous-même, bye bye. Nous avons fait un petit parler là avec Maître Edouard Camille Junior qui lui-même lui saute expliquer nous, lui saute partager avec nous et ça le comprendre de notre ministère et ministère de la Justice et Sécurité publique Maître de Yoa, lui aider nous comprendre plus bien ça qui a passé et dans ensemble de décisions que l'autorité a pris. Je ne dis en tant qu'haïtien, c'est qui sort là et qui sont pas attendre tout de autorité ça qui là parce que moi personnellement m'ka dit nous m'pa wè y a régler rien m'pa wè sur route pour régler rien parce que c'est seulement aspect juicif là c'est seulement privilège yo wè vinn jouir pouvoir vinn rouler machine yo gen perdième yo gen blindé deuxième résidence yo y a bien passé pendant que nous même
n'a victime pendant que nous pas gain liberté pour nous circuler en dedans pays pendant que nous pas ka vaquer activité nous pas ka mener petit nous l'école petit nous pas en sécurité l'école nous pas en sécurité la caille nous pas gain rien dans moment là que autorité au ka di population ka di haïtien pour prendre au sérieux parce que gros problème de confiance nous pas faire autorité au confiance ça yo dit bonjour par la vérité donc qui ça nous doit faire par rapport avec situation ça moun qui censé là pour bailler résultat yo pas en mesure pour porter résultat et pour qui ça et si moi reprendre et mettre Edouard gè trois bagay un problème de compétence qui pose dans l'état ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut moun ki la ses affaires par yo régler ou pas gè compétence yo pas gè expertise pour domaine yo mettez yo pour champ d'activité yo là dans l'an dans tête ministère yo taillé et puis gros problème de collusion gros problème de proximité autorité yo gè avec gang gè avec bandi et c'est sous baza nous wè que international là nous voyons que en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies il y a résolution qui votée contre que on sanctionné plusieurs personnalités, il a sanctionné ancien président, il a sanctionné ancien parlementaire, il a sanctionné moun dans secteur privé etc. qui a financé gang, qui a financé bandi. Et troisième bagarre là c'est question influence politique là. Nous avons la police qui politisé. Nous avons une police qui a influence politique. Opposition à M. Grenzelpal, pouvoir à M. Grenzelpal, et nèg qui influent, nèg qui conseille président, tout le monde a M. Grenzelpal. Et même en dehors d'institution, puisque nous pas gagné des DG la police qui ont même, qui ont mandat que le Parlement vote, ratifie, etc., eh et bien, qui s'est passé? Le sénèg là qui met tout, ou a fait job sale, ou a fait job li, ou a exécuté plan, ou a exécuté projet li. Qui pas différent l'ordre de mettre au commissaire du gouvernement et puis commissaire l'a exécuté ça et ça moun qui mettait là non ça et président te choisi là ministre qui te choisi là ou bien acolyte te proposé là non et puis soit attendez à là de seul coup c'est persécution politique c'est instabilité c'est violation droit moun pays a pas à continuer comme ça nous pas à continuer à faire pays en ça qui ça nous bral di génération qui vini yo qui ça moi même bral di génération qui vini yo dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui ça me bral di yo? Ou même journée jodi an la qui gen possibilité pour impliquer ou qui croise bro ap gade jan l'état de pas fini, jan pays ap de pas fini ou pas choisi faire rien. Qui sa pral di génération qui vini yo? Ou nan diaspora, ou gen petit tout, tout ton a parlé de Haïti, mais nous pas jamais kamenel. Mami papi, qui l'on pral Haïti, m'envi al konn sa Haïti, m'envi al konn sa ki peyi maman, ki peyi papa, ki peyi gran mwen, ou pa kamenel, pou ki sa parce que gen insécurité ka ronje peyi, gen yon kesyon instabilité politique ka ronje peyi, mais ou même ki te ka implike, ou ki te ka vin fè batay, pa forcément souterrain, Haïti son peyi ki an pwa de violence, Haïti son peyi ki an gen, m'pa janm ka di yon moun ki deyò peyi nan diaspora la vin batay souterrain, non! Condition yon pas propice, yon pas réuni pour une bataille, mais koto yon a gon bagay ou ka fè. Ou ka implique yon. Gros signal, l'envoie le bas international, l'envoie le devant Nations Unies, ou voye le et devant Maison Blanche, ou voye le devant département d'État américain. Yap comprenne pour yon suspend quelques fois pour yon mette de l'eau dans du vin yon. Mais nous pas fè rien. nous presque pas fè rien pour pays ça, oui. Franchement. Avant de finir l'émission pour aujourd'hui, il faut que moi dis nous, mes amis, qui ça nous décide de faire à Eddy. Parce que moi, je décide de vous mettre Eddy. Nous pas qu'à quitter Eddy dans même pourquoi. Nous pas qu'à quitter Eddy sous bras pour contrer. Nous comprenons. Donc, mes amis, pas oublier Eddy. Parce que faut qu'il y a l'hôpital. Toutes conditions réunies pour aller prendre soin de l'hôpital. En dépit de aller prendre soin de l'hôpital, arriver à un ophtalmologue, un spécialiste pour les yeux, qui pour arriver, est-ce que y a bien pour faire l'opération pour glaucome, pour cataracte, ou bien est-ce que c'est lunettes la potée? Ça, nous ka gérer yo. Nous ka gérer yo, nous ka aider gérer yo. Mais après, comment le bral vivre? Après, qui ça le bral fait? Après, comment le bral manger? Après, comment le bral fait pour supporter et besoin, pour supporter revenu, etc. Donc, ma pensée pour nous, qui ça nous te ka bali comme une activité. Li fin grand monde, pas quoi le bral besoin faire grande chose, pas quoi le bral besoin faire gros bagay. Mais le peu que nous ka fait pour lire, pour nous supporter, juste seulement pour le ka jeune moyen, juste seulement pour le ka jeune possibilité, pour le prendre plat manger chaque jour, jusqu'à ce que bon Dieu décide pour retirer la ville là, n'a fait li, n'a regardé qui ça qui ka fait, ou même qui voulait aider, ou même qui voulait supporter, ou même qui voulait contribuer
pour nous bailler dit on aller mieux m'attend nous qu'a toujours les m'écrire dans numéro émission 38 96 38 19 et c'est pas pour son petit pied bois planté. C'est pas pour son petit pied bois planté. Donc ou pas besoin d'attendre comme si ou planter le petit grain dans jodi demain si Dieu veut non moi la font gros pied bois non. La prend temps pour le donner et sans faire journée jodi là récompense il pas forcément vini de Yannick, il pas forcément vini de Edil, il pas forcément vini de on proche Edil etc. Mais on jeune ni quand même. Ou je n'y quand même parce que nous non nature, nous non espace-temps. Donc tout ça qui possible depuis c'est bien on a fait, depuis c'est bien faire bien pour le rap jeune récompense ça, pour jeune récompense ça bien. Et moi-même combat me décider faire là, bataille m'a fait là pour aider nous comprendre ça qui a passé dans le pays, pour faire éducation politique, chercher des séries de monde qui expert dans différents domaines, venir à chercher, venir mener au bas, pour parler avec nous, pour expliquer nous ça qui a passé dans la société, ça qui a passé et hors de l'état par rapport avec des décisions qu'a prend. Ça n'a pas gain prix, hein. Yo pas gain prix parce que journée aujourd'hui en bataille pour pays en tant que jeune femme haïtienne, en tant que haïtien qui conséquent comme même tout ça me gagne, c'est Haïti me doit. Mon so connaissance m'gaye, mon so éducation m'gaye. Après bon Dieu qui t'a ban mon intelligence, après parents qui t'a investi dans moi, c'est Haïti. Tout ça c'est Haïti, c'est Haïti, on t'a travaillé, c'est Haïti, on t'a consacré vie. Donc journée jodi an là, le nou ka aider en monde, on n'a pas attendre pour nous dire oh l'état. Bon l'état va ka garantir sécurité non. Et pas soin aux haïtiens qui n'ont besoin, on t'apprend. C'est pas manger, on t'a bay en monde qui dans nécessité. Mes amis compatriotes frères jam yo, on nous fait ça non ka faire pour nous aider un compatriote, un ami, un prochain qui dans nécessité, qui n'en besoin. Cela m'a met en bout ta émission pour jeudi. Rendez-vous en cassé dans une autre émission. Si pourquoi abonner, m'a invité à abonner. Activez la cloche notification et qu'on ne soit pas prêté aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dites tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, oui, chez Chanel Paola, pour qu'il y ait informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.